Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce petit stream sur Covicube. Enfin, si on arrive à se connecter, regardez ce que ça me met. Alors, pas le planning. Échec de connexion, les serveurs d'authentification sont présentement inaccessibles. Veuillez réessayer. Pourquoi ça me fait ça? Est-ce qu'il faudrait pas que je relance Minecraft? Salut LG. Relancer Minecraft. En fait, j'ai essayé de me connecter au moment où j'ai lancé le stream parce que comme je suis au milieu de nowhere, et donc bienvenue Michael et Sam Duc, hein. Comme je suis au milieu de nulle part, bon, ça va peut-être friser un peu. Je relance Minecraft. Comme je suis au milieu de nulle part, je voulais pas me connecter avant d'être avec vous parce que voilà. Je voulais pas mettre le jeu en pause alors que j'étais complètement à la merci de n'importe quel monstre en fait. Sauf que au moment où j'ai lancé le stream, je vois que j'arrive pas à me connecter. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bon, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon mercredi. Moi, ça a été. J'ai quasiment terminé mes bulletins, donc ça c'est bien. Ça c'est une bonne chose. J'ai préparé tranquillement la semaine prochaine. Déjà, il n'arrive pas à me pinguer. C'est bizarre. Il doit y avoir un souci avec Minecraft. Oh fuck. Parce que le stream fonctionne très bien, j'ai aucune perte d'image. Oh, fuck it. Évidemment, au moment où je lance mon stream, quoi. Pff, fatigue. Mais. Alors, il y avait un truc, salut Saucing, il y avait un truc avant pour voir l'état des serveurs de Minecraft. Ah, nice les crêpes. Où est-ce qu'on pouvait voir ça? Ouais, ouais, ça vient de Mojang. Ça m'étonne pas que ça vienne de Mojang parce que là, moi, tout va bien. Encore, j'aurais des soucis de co. Ah, fait chier. J'en suis sûr qu'il y a 5 minutes ça marchait bien. Alors, état des serveurs Minecraft. J'accepte. Non mais c'est pas ça que je veux. C'est le truc officiel. Le service de statut est offline. Il n'y a plus en fait. Il n'y a plus le truc en fait, c'est ça. Hein. Ils sont présentement en panne. Bon, fait suer.
Super. Bon. Et non. Non. Préparation à la création du monde. Ah oui, d'accord, ok. Si, c'est bon ça. C'est ce que je voulais. Ah, c'est nouveau ça. Garder l'inventaire après la mort. Pourcentage de joueurs endormis. Pardonner les joueurs mobs morts. Je connaissais pas toutes ces on plat ta 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 hop. Vous me direz quand ce sera up, s'il vous plaît. J'aimerais bien faire du Covid Cube ce soir quand même. Ta 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 ta. Alors, je voulais tester les petits trucs. J'ai vu que Boîte, il nous avait commencé une magnifique salle des coffres. What? Salut Smiley Twitch. C'est sympa ça. Alors, j'ai pas World Edit. Donc, je peux pas faire des symétries, des stacks vite fait, mais. C'est sympa ça, ça fonctionne comme le lichen en fait en termes de placement. Ça peut être très chouette pour faire de la déco ça. C'est facilement récupérable les veines de Skulk là. Ça c'est quand même. On peut le récupérer ça avec une Sick Touch. Très particulier. Le lichen, toujours pas mal. Yep, mais dangereux. Ah, ça se propage tout seul. On peut pas contrôler la propagation.
Les grelampes. Ouais. Ah putain, des boutons rouges. Là pour des cités Maya et tout, ça va être trop bien. Je vais faire des trucs très sympas avec ces trappes. Je suis sûr qu'avec les trucs de terracotta, il y a moyen de faire des choses sympas. Je sais pas lesquelles par contre, mais parce qu'il y a tellement d'orientations possibles. Merci, Mickaël. Ça pourrait être très sympa dans la cité volante. Bon, ça c'est, on peut pas le prendre. C'est con parce que c'est joli. Ah, surtout, le haut il est très beau. Très joli ça, hein. Mélange là.
C'est trop foncé la corp. La corse thirst. Mais avec le granit, ça passe très bien. Après, ça fait pas forcément l'effet que moi je cherche à avoir, mais. Non, en termes de choses japonaises, il y a des trucs très très chouettes à faire avec ce bois rouge. Hein. Enfin, japonaise, asiatique, mais et japonaise et même. Il me semble que Telvin il a fait un truc plus. Ah, et si on rajoute du cuir là-dedans? Non, je crois pas. Non. Time. Tête. Day. Ado. Game. Oh là. Le daylight, ça. Je crois qu'il a fait ça avec du bois de l'épinette, il me semble. Ou alors du. Peut-être qu'il a fait ça avec du Dark Oak. Un plus fort contraste. C'est pas mal. Et salut Momo, Molycube, c'est un serveur survie Vanilla en 1.19 où les joueurs n'ont que 3 vies. Si on meurt 3 fois, on ne peut plus se connecter au serveur. C'est fini.
Non, c'est pas pour le château, Kendrill. Je juste teste des trucs. Et puis moi, je vais pas forcément, je vais pas construire sur le château. Ou... Enfin, je pense pas. Je cherche des idées pour une petite maison, en fait. Ce qui est bien, c'est qu'on a des dalles avec la nouvelle. On a des dalles. De ça, là, de briques crues. On a des dalles. Est-ce qu'on a même des escaliers? Ah, on n'a pas d'escalier en terre crue. Ça, c'est con. Ça, c'est bien dommage.
Oui, des escaliers, mais pas en terre. Pas en terre, c'est ça que je voulais dire. C'est ça. En dessous de Hobbit. Jamais fait, alors je tente. Les serveurs sont toujours pas up. Vous n'avez pas de... Pas de news. Pas mal. Parce qu'après, il faut imaginer qu'on peut mettre un petit peu de buisson dessus. Les azalées sont sympas. Un petit peu de poudre d'os pour. Voilà, vous voyez l'idée. Fleurs que j'ai ramené de mon expédition là. On peut aussi décorer avec bien sûr des petits boutons. Ça mange pas de pain. On peut décorer avec. Bien sûr, j'ai pas mis de clôture, mais on peut en mettre. C'est où les pancartes? C'est où les pancartes? Parce qu'on en a plein des différentes maintenant.
pas ce qu'il y a de mieux sur ce genre de petite fenêtre. Bon. Mais ouais, il y a de quoi faire des petites choses sympas. Hein. Qu'est-ce que vous en dites? C'est un petit test. Après, la porte rouge, c'est pas, elle est pas obligée de rester comme ça. Hein. Et puis, moi, je rajouterais bien éventuellement un petit peu de briques. Peut-être comme ça. Ouais. Avec le granit ça rend bien quand même. Allez, un petit peu de briques comme ça, c'est pas mal. À certains endroits. J'aime beaucoup, mais j'ai jamais fait les maisons de Hobbit comme ça, là, donc c'est sympa. Très sympa. Avec une petite cheminée. Je crois que... Je crois que Tajine avait fait une cheminée noire et c'était une bonne idée. Peut-être pas terrible cette cheminée, mais au fond d'oise. Bon, je la fais pile au c'est nul ici. C'est nul ici, mais bon, pour tester les matériaux. Qu'est-ce qu'on a? On a des murets de profondoise. On met des escaliers en profondoise. Pas terrible, faudrait que je le travaille mieux. X. Mais c'est pas si mal. Hein. On va partir sur ces matériaux-là, je pense. Pour une première petite maison, j'en ferai bien plusieurs, en fait, je crois. Et un petit réseau. Alors, j'aime beaucoup. Je vais essayer de me reconnecter, là, quand même, depuis... Voilà, un petit peu de... Le coup, le petit buisson. Regardez-moi ça, c'est très chouette. En vrai. En vrai, en 2-2, là, on a fait un truc sympa. Et je nous fais un trou, exactement. En vrai, je prends un screenshot et puis on va peut-être se faire un truc dans ce style-là. Hein. Hein, les zous, est-ce qu'on peut... Oui. J'ai pas fait monter. J'ai retrouvé mon allée. J'ai pas fait monter. En fait, j'ai bu des trucs frais, j'ai pas fait de thé. Oh. Bon. Bon, nous étions en expédition. On avait trouvé ça. Et ça, c'est juste... Bon.
Ça, c'est juste trop inutile, donc indispensable. On a vraiment hier bien progressé sur mon objectif d'accomplir les voyages là. Donc il nous manque océan froid profond, c'est gelé profond, et il nous manque les champignons et les fleurs fleuries. Donc maintenant on est très loin, on est en 5000 moins 6000. Donc faut qu'on rentre. Let's go back home. Let's go home. Let's go home. Let's go home. Et après on commence à construire notre trou de hobbit. Mon bateau. Oh mon bateau. Donc, j'ai l'impression qu'on va pas dans la bonne direction du tout. En fait. Faut qu'on aille par où en fait? Faut qu'on aille vers 0-0. Hein. Donc par là. Ouais, faut qu'on aille de l'autre côté en fait. Pour aller vers 0-0. Salut OVNI 62, bienvenue à toi. Donc là on est orienté vers le quoi? Vers le sud. Ouest. Pourquoi faut qu'on aille vers le sud-ouest? Je suis parti vers le nord. Je croyais que j'étais parti vers le sud, mais pas du tout. Faut que j'aille par là. Ok. Et bah, let's do it. Rentrons à la maison. Peut-être qu'en chemin, on aura la chance de découvrir les biomes qu'il nous faut. C'est pas sûr. On verra. Le principe de CoviCube, c'est simplement une survie en 1.19, donc serveur vanilla survie, mais avec seulement 3 vies. C'est-à-dire que si on meurt 3 fois, on ne peut plus se connecter au serveur, c'est fini. Pour l'instant, je ne suis pas mort, donc j'ai encore mes 3 vies. On va dans la bonne direction. C'est bien qu'on trouve un biome fleuri là. Ah ça c'était montagne graveleuse ça. On est déjà passé par là, non? Peut-être pas. On aura fait des kilomètres. Hein. Alors c'est un serveur éphémère, hein, ça va durer un mois à tout casser. Là, vendredi, ça fera une semaine. Moi, c'est mon cinquième stream, donc cinquième jour de jeu sur le serveur. C'est pour ça que je veux construire. J'ai envie de construire des petites maisons de hobbits dans le spawn pour pouvoir peut-être offrir des maisons à certaines personnes. Ils voudraient une petite maison, tu vois. Allez, t'es toujours là, toi.
C'est bien. Suis-moi. Follow me. On est bientôt à court de patates. Alors que devant nous apparaît un océan. Pas peur du PVP? Sur ce serveur, non. Non, parce que c'est un PVP honnête. C'est un PVP fair play. C'est-à-dire que ne font du PVP que ceux qui ont envie de faire du PVP. Sinon, on fait pas de PVP. Donc, ça me convient tout à fait. Et donc, hier, j'étais. Ah, d'ailleurs, je peux peut-être me connecter. En vocal. Hier, j'étais en mode. Ah, ça me manque mon petit thé, là. Hier, j'étais en mode solo. Mais avant-hier, on a exploré une cité ancienne avec Keep, avec Goldown, avec Max, avec Tajin, avec Boîte à Meux. Et je crois que j'oublie du monde. C'était très sympa. Avec Mayuko aussi. Très sympa. Alors, on a un océan. Est-ce qu'on pourrait pas trouver un océan très profond? Ça serait bien. Océan froid, j'y crois pas trop par ici. Et donc voilà. On est dans du cold ocean. Mais pas forcément profond. On est vraiment du profond. Oui, océan froid profond, c'est fait. Yes. Alors. Il nous reste le gelé profond, mais ça j'ai pas trouvé. Et il est pas gelé. Et il nous reste. Il nous manque pas grand chose. Gelé, on va pas trouver par ici. On en avait un gelé, mais malheureusement j'ai pas trouvé du gelé. Hey, Roi Léonie, coucou. J'ai pas trouvé du gelé profond. J'ai peut-être mal cherché. J'aurais peut-être dû. Insister quand j'avais du. Quand j'étais dans des biomes gelés en fait. Bon. On rentre à la maison. Oh, une cité, tiens, je disais que j'avais pas encore rencontré de temple de l'eau. On va s'éloigner de messieurs les bzzz. J'ai pas envie de la faire. Même si le petit bloc m'intéresserait bien, mais j'ai plus de place dans l'inventaire de toute façon pour échantillonner, donc. Ah, ce son. C'est l'environnement le grand danger. Oui, et moi j'avoue que j'évite grandement les grands dangers, donc par exemple je ne suis pas allé dans le Nether plus que ça pour l'instant. Je ne suis pas allé dans l'End. Le plus dangereux que j'ai fait, et de loin, c'est l'ancienne cité, mais on était en multi, on a eu de franches frayeurs, de moments vraiment très fun, mais c'est resté plutôt soft. Tu me suis toujours l'allée ou je t'ai perdu? Je crois que j'ai perdu l'allée, hein. C'est mort. Allez, la noyade, je suis mort d'une noyade, mais j'avais un totem, donc ça ne compte pas. Et c'était dans la descente, enfin dans la remontée de la cité. Effectivement. Oh, il y a une superbe épave, là, il y a un portail. Non, mon épée! Mon épée! Mon bateau! Rien ne va. C'est n'importe quoi. J'ai chopé le bloc? Je sais même pas. Je crois que j'ai chopé en bas. Il y a un petit coffre. Il est le coffre. Il est là-bas. Les
Laissez-moi tranquille. Alors. Allez, ouf. Donc là, maintenant, ce qui nous manque, c'est des mushrooms. Des trucs fleuris. Et biome gelé, mais gelé, faudra retourner dans les gelées profonds. Hein. Ah, on a raté le coche. J'ai mal géré. J'aurais dû chercher plus quand on était dans l'océan gelé. Une belle épave en dessous, mais on va pas fouiller. De toute façon, on a déjà un cœur de l'océan. Après, ce qui nous manquerait, c'est une chair, une nautile, c'est ça, une coquille de nautile. C'est chouette par ici, belle montagne. On a galéré à trouver des de la mangrove, on a trouvé une toute petite. Une belle grotte là. Sympa. Les océans ont l'air de se réchauffer. On a du biome savane. Il fait de bonnes blagues celui-là. On a fait des kilomètres en bateau. En fait, on a dans les stats distance en bateau 36 km. Distance courue 29 km. Mais 36 km en bateau. Hein. Bon, en vol, c'est parce que je sautille. Et 36 km en bateau, on a fait. Hein. C'est notre expédition. Hein. On a fait une expédition de 36 bornes. Hein. En bateau. Plus à pied, quoi. Bon, là, on va couper à travers la colline. Toujours s'annoncer hein, quand on arrive quelque part. Hein. On va activer ça, tiens. Comme ça, quand on sera assez proche, les gens vont entendre. Et je les entendrai pas réagir parce qu'on sera trop loin. Un village. Ce serait rigolo. Bon, là, on est dans des zones a priori qui n'ont jamais été explorées puisque les chutes d'eau et de lave se généraient. Moi, je récupère les cloches. Hein. Ah purée, passer par là. Aïe. Oh la flotte là-bas. Oh la chute de lave. Hop, 1000-4000. Allez, on rentre, les amis.
J'avais un moment une armure de cheval. Ah oui, mais j'avais pas de selle de toute façon. J'ai une selle, mais à la maison. Je pense que la prochaine fois qu'on ira explorer pour chercher les biomes qui nous manquent, bah on ira en Elytra, ça ira plus vite. Et limite, on demandera dans quelle direction aller, peut-être pas la... Parce que je pourrais regarder sur le site, mais j'avais envie de vraiment explorer honnêtement, enfin honnêtement, à l'ancienne quoi, comme si on n'avait pas accès à toutes les informations précises que l'on souhaite. Très jolie grotte. Moins 3000. Heureusement qu'on a les coordonnées, hein, parce que sinon on ne retrouverait jamais, au grand jamais, notre lieu de départ. On saute presque en rythme avec la musique. Je vais trouver le fleuri, ça serait bien. On a la lisière d'une jungle. C'est beau ça. J'ai plus de place, hein. Qu'est-ce qu'il y a comme forêt de bouleau? C'est moche. C'est moche. Encore du boulot. Mille huit cents moins 3000. Pour la falaise. Wow. C'est la poche, je m'éloigne. On devrait trop faire des alertes Twitch comme ça.
Ça vous réveille. Alors, est-ce qu'on arrive dans un village déjà exploré? Ça voudrait dire qu'on se rapproche. On est sur la bonne route. Pas sûr. Pas de biome fleuri pour l'instant. Ah. Ah. Yes. Yes. Super. Bon. Je pense qu'on va sacrifier un truc. La table de craft. Toucher pour. Je sais pas pourquoi. Pour récupérer les tulipes. À la limite, faudrait que je note les coordonnées. Mais comme j'ai pas de mode. Tant pis. Les autres ont bien noté et trouvé ça quelque part. Je crois que Hapsi en avait trouvé. Que je peux sacrifier d'autres. Bah une arbalète. Une arbalète. Tulipe blanche. J'aurais préféré ramasser. Bon attends, c'est pas mal. Tulipe blanche aussi. Je vais dormir. Donc je vais balancer le seau. Le seau il me sert plus à rien là comme on rentre. Je prendrais bien les oranges. Qu'est-ce que je balance? 5 patates. Proche aussi. Les tulipes rouges, ça pousse que dans ce biome-là. Vas-y, Margaret. Oh, c'est beau ça. Possible. Mais je suis en. Je suis en 1000, montre 1200 000. Bonsoir. Ah, salut. Salut Oran. Ça va?
Ça va et toi? Oui, et toi? Moi ça va, mais ta jean, j'ai l'impression que c'est... T'es au bout du rouleau, quoi. Ah bah... Oui. Non, mais voilà, on m'a... comment dire... sans penser, non, j'ai plus le mot. Bref, peine de mort, tout ça, tout ça. La sentenciation. C'est ça. J'ai plus le mot. Moi, il avait mort, j'ai dit, ça fait deux. La sanction. Ma peine de mort, voilà. Ouh là là, on t'a peiné à mort. On m'a peiné à mort. Ta sentence sera... irrévocable. Par... C'est quoi les coordonnées du spawn? C'est en moins 50, 50. Ouais, on est 0-0. En 0-0. Okay. Est-ce que tu peux mourir par lama? On peut mourir par lama fâché. Normalement. Quand tu meurs dans un truc, alors qu'un lama t'a craché dessus, ça met un message comme quoi le lama il t'a tué. Ça peut être une mort. Moi, j'étais en expédition à l'autre bout du monde. Je suis allé genre, je crois, moins 8000, un truc comme ça. Ah la vache. Ah, oui. Pour chercher tous les biomes, en fait, sans utiliser l'acide, en fait. Presque. Il me manque un biome champignon. Et il me manque un océan gelé profond. Je crois que c'est tout ce qui me manque. Et bon, là, comme j'ai déjà passé plusieurs soirées à faire ça, je rentre. Je me suis dit qu'en rentrant, peut-être que je trouverais mon bonheur. Et j'ai déjà trouvé deux trucs. J'ai trouvé un océan froid profond que j'avais pas. Et j'ai trouvé là, à l'instant, une forêt fleurie. Donc, il me manque plus grand-chose. Le reste, je le ferai en Elytra, je pense. Parce que je suis à pied, en fait. Ah oui. Mais c'est vraiment beau, là, 1.18. J'avais pas eu l'occasion d'explorer plus que ça sur Olicube. Donc là, j'ai pris... J'ai pris plein les yeux de tous ces biomes, ces canyons, ces trucs. Donc je rentre le plus vite possible parce que je veux être là. Mais je fais aussi vite que je peux. Et puis tu sais, tu pourrais te dire, oh, je mets tout dans un ender chest et puis je meurs pour rentrer plus vite. Mais c'est pas la bonne idée. Bah après, t'as encore 3 vies. Hein, pas tes coffres de chez toi. Ah, des blup. Oui, c'est en bas. Ah, c'est en bas. Je peux descendre. Ah oui, descendre comme toi, qui va te faire descendre. Oui. Qui va finir en cendre. Et c'est dans ce coffre-là. Noit. Oh, trop bien. Attends, je vais les essayer. Et sinon, toi, tu fais quoi? Toi, tu vas pas mûrir. Non, je meurs jamais. Moi, même quand je meurs, je meurs pas. Eh ouais, mais t'as plus que deux vies quand même. Je vais laisser mon stuf là-dedans. Parce que la team bleue, elle sent un peu moins bon. Non, Méo, je te permets pas. Celle-là, elle est bien. Je l'aime bien, celle-là. Pef, pef. Oh, les bruits sont dégueux. J'ai plus ma bouffe. J'ai jeté ma bouffe. Tu commences une grève de la faim, c'est tout. Non, je veux pas maigrir. C'est important d'avoir du gras. Du coup, quand tu marches, ça fait blablabla. Voilà. Mine de rien, j'ai fait presque 40 km en bateau. Ah la vache. Et j'ai pas compté les kilomètres à pied. Parce que ça... C'est pas quoi. J'ai pas regardé avant de partir. Mais en bateau, j'avais quasiment rien fait avant, donc 40 km. Pas mal. Belle expédition. Je choisis ma corne, tu vois, c'est un peu comme dans Harry Potter, tu vois, tu dois choisir ta baguette. Et là, tu choisis ta corne. Ah, j'en ai une. Moi aussi, j'en ai trouvé une pendant mon expédition. J'ai perdu deux allées. Qui ont pas réussi à me suivre. Oh. Ils vont se tuer. Et du coup, tu l'as trouvé à l'aller ou au retour? Pardon. À l'aller. Non, bref. À l'aller. Je garde celle-là. Elle fait... Elle est bien. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Feel. Feel good. Moi, elle s'appelle Sentiment. C'est pas la même chose? Wow.
Condamné, oui, c'est ça, c'est condamné à mort. Oui, tu es condamné à mort. Je trouvais plus le mot, et du coup... voilà, je viens de le lire dans le chat. je suis aboulé. Imhotep. Je suis en route. Je traverse littéralement les montagnes et les mers tu pour venir. Ou en bateau. Bah là, je suis en chemin d'herbe ou en herbe. Mais j'étais en bateau il y a 2 secondes. Bon, on va pas prendre de risques non plus. On va faire quand même. J'ai une idée, sinon tu t'as quand même tué avec une enclume. Oh, je peux faire ça? Pardon. Oui, si tu veux. Moi j'ai envie de voler les élytras à Faster vu qu'il est mort en fait. Ah bah oui. Tu vois? Genre, c'est quoi? Merde. Pilleur de tombe, voilà, je vais faire pilleur de tombe à partir de maintenant. Je vais trouver des gens morts et je vais m'enrichir. Bah attends, va dans la crypte de Kip, tu vas voir. Ouais, je lui ai mis des crypto-monnaies. Il y a des élytras aussi. Des élytras aussi. Oh là 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 là. On t'entend pas, Max? Ah, coucou, Max. Ah, c'est bon. Ok. Oui, c'est bon. Voilà, tout le monde est attiré par l'odeur du sang, en fait. Ouais. Bon, on m'a dit qu'on pouvait tuer des gens. Là. Je viens avec. Alors, plaisir, pas des gens, hein. Un gens. Ouais, mais tu sais, ça dérape parfois ce genre d'événement. Ah. Des trucs partent dans le public. J'arrive, je fonce. Je suis en 200 moins 2000. J'ai jamais été aussi. Les gens sont encore dans l'Ancien City. Oui, bon. Mais Faster, il me répond pas. Il est trop lent. Faster. Zvitra. Sûr. Regarde, je te l'ai volé. Elle est à toi. Ils sont en train de casser des blocs. Tu les as toutes prises ou... Non, j'en ai pris qu'une, je les ai proposées okay. Les autres. Je vais les récupérer. Pourquoi ils font pas ça en vocal? Je crois qu'Aivier peut pas... peut pas voc. GG, tutu. C'est quelle celle-là? Elle est nulle. C'est celle-là. Bon alors, Jean, tu as fini ta maison? Oui, sauf la déco intérieure. D'accord. Ils ont fondu le bordel, les loulous là-bas. Je me casse. Oui. J'ai commencé les petits tests. Je vais m'installer à côté de chez toi et puis je vais faire des petits trous de Hobbit. C'est quoi qui fait ce bruit? Moi, ah, c'est Aipir et moi. Ah non, avec carrément on synchro sur les cornes horribles. Oh, c'est bon. Attends, j'arrive. Ah, on peut baisser le son, incroyable. Je vais vous aider à faire des bruits chelous. C'est laquelle de corne? Colle. Colle. Oula, il y a le bateau carré. Non, c'est la grenouille. Pondeur. Gold, il y en a très peu. Non. Ah. Bizarre, what? Il y a Faster qui est apparu. Tu es là? Ah, il est de retour. Oui. Yeah. Aïe. Viens ici. Reviens pour l'exécution de ta vie. Mais quoi? Comment ça? Hein? Comment ça, Faster? Il est revenu, mais qu'est-ce que... Aïe. Mais comment il a fait? Il est trop mais bien. Aïe, arrête. Alors, aller dans l'eau, c'était vraiment pas la bonne idée, Tadji. Ah. Encore. La mort, c'est plus que c'était. Hein. Il y a des gens qui reviennent. Bien, putain.
Ouais, la mort, elle est de plus en plus gentille, je trouve. Elle a peut-être eu trop de satisfaction, enfin trop de clients, et là... Et en fait, il n'y a plus de place. Ouais. Il n'y a plus de place, du ils coup, sont où, les gens morts, ils font la queue, alors ils reviennent de temps en temps. Et embouteillage. Ils se sont trompés. C'est quoi, c'est le purgatoire, l'endroit, où, l'endroit qui filtre, non? C'est ça. Ouais, oui. Ah, mais il est là. Ça arrive de nouveau en spec, du coup. Non, j'ai découvert un manoir, mais je pense que c'est celui de la Stonks. Ah, c'est peut-être toi qui as repris la, ah, oui, la corne que je cherchais. Ah oui, le paquebot. Bah, non, celui qui sont en train de faire les loulous. Ah non, non. Je veux juste me joindre à la chorale, en fait. Je crois que celle-là, je l'ai peut-être pas, en vrai. Oh. Après, elles sont à vendre chez Smithies. Chez Smithies. Je peux les acheter avec, avec tes sous. Oui. Tu peux. C'est les sous de l'héritage. C'est ça. Bon, t'es pas encore mort, mais on va dire que c'est un don de ton vivant. Hein, quoi? C'est un pré-héritage. Avec la sorte. Ah non, lui, il fait peur. Du coup, t'es bientôt là, Ran. Eh ben, j'ai trouvé un portail du Nether de la Stonks, donc j'espère retrouver mon chemin. Ah putain, mais il y a un cochon qui... Il y a le Nether, c'est aménagé maintenant. Ouais, j'ai vu sur... j'ai regardé vite fait le stream de Jimmy. Oh merde. C'est aménagé, mais il y a des squelettes. Pas à vendre celle qui fait du bruit chelou. Non. Ah... Il y en a que 3 sur tout le serveur. Ah, et les 3 sont avec Pierre, je lui en ai volé une, moi. Ah, oh, super. Mais il est pas encore au courant. Et j'aime beaucoup la déco du Nether avec les blocs de... Ouais, je me suis dit, je vais essayer de faire qu'avec les nouveaux blocs. Ouais, non, mais t'as bien fait, c'est très chouette. Ah, t'as fait moyen de faire Nether. Ouais, c'est très joli. Va prendre le portail, tu vas voir. Tiens, viens voir. Et en fait, ça va vraiment bien avec le côté mystérieux. Tu vas où? Tu t'as fait comment pour les avoir? T'as une usine pour ça? Ah non, je suis dans une ancienne city. Ouais, ah, t'as pas peur. J'ai fait spawn en Warden au passage. Moi, j'en avais fermé 4 ou 5 stacks. Ouais, bah j'en ai. Et je suis de retour à la maison. Bah... GG. Plein de paillettes. Ouais. Est-ce que je peux me permettre une remarque? Il y a que 2 blocs. La glace, ça vient pas du Nether, en fait. Donc tu es une arnaque. Putain. Tu tues. Ah, faut que je rajoute des boutons. Faut que je rajoute des boutons et après ça sera good. Ah, tu veux mourir à l'enclume, du coup? Coucou Mayu. Parce que j'ai 2 morts à avoir. Salut, ouais, Mayu. Ah, faut lui laisser la. Okay. Oui, ah, du coup, il y en a une où je m'en fous et après il y aura la dernière où. C'est le spectacle. Okay. L'enfer. Ah, Oran est là. Yep. Est-ce que j'en ai une chez moi? Non, je crois pas. C'est quoi, j'ai pas de fer. Aïe. Aïe. C'est quoi cette lave là? Oh. C'est pour un escalier. C'est pourquoi? Faut piquer une enclume. 50 mètres sur le dos d'un strider. Horrible ce bruit là. C'est un peu l'enfer, c'est le milieu quoi. Oran. Mais pourquoi t'as pas fait ça dans le Nether? Parce que c'est dans le vent. Sur un lac. Ah, c'est vraiment Seagull qui l'a fait. Ah, c'est 50 blocs en ligne droite avec un strider dans le Loverworld. J'ai trouvé une enclume, j'ai volé chez Golden Evex. Ah. Oh le bordel. Oui. C'est quoi le CD? Mais tu peux baisser. C'est le CD de l'Ecube saison 6. Saison 6. C'est Jukebox et notre bloc. What are you? Non mais c'est moi, j'en ai trouvé une.
mais si, quoi, il suffit d'une ligne très haut. Je retire mon armure. Oui. Après, si on lui met quelques coups à la main gentiment. Oui, c'est ça. Jusqu'à avoir un niqueur et c'est réglé. Ouais. D'ailleurs, sur le testament, la maison revient à qui? À moi, je lui ai déjà demandé, il a dit oui. Après, si quelqu'un veut faire la déco, parce que tu tues, bon, disons que je lui mets pas une très bonne note pour l'instant. L'État prend une un pourcentage de l'héritage, non? Et qui l'État? Bah, c'est moi l'État. Tu es l'État. Tu es pas l'État. Tu es l'État. Tu tues. Je suis un être unipersonnel, je suis l'État, pas l'État. Toto, Tim, c'est à toi. Ah, ça y est, ils sont tous là. Matox, Redox et Jimmy. Alors, hop. Alors, du coup, vous êtes où? Attends. Vous êtes. Alors, il va falloir faire un peu plus que ça. Plus haut. On est au spawn run. Ok, j'arrive. Je reviens. Du coup. Hello. Attendez, on va se mute sur le Discord. Vous voulez qu'on se mute sur le Discord? Ok. Hop. Ma corne a fait moins de bruit. Cette Jean s'est fait effoirer par une enclume en combattant. On a eu la même idée. Oups. Oh non, pas fait exprès. Mon héritage. On est sur la dernière mort de Ted Jean. Alors attendez, il est où mon stuff? J'ai besoin de mon stuff. Ah ouh. Alors, mais il est où ce con? Est-ce que t'as un levier? Récupérer le levier, non, personne. Ah, il est là. Bon, ça devient dangereux ici. On va la passer. Allez, ah oui, là-bas. Il y a quoi là-bas? Ah, bah, génial. Hein. Je peux appuyer? Je peux appuyer? Là-bas, là. Pour bien pouvoir le spectacle. C'est qui le bourreau? Alors j'appuie. Je pensais pas assister à un meurtre en direct. Okay. Allez vous asseoir, tout le monde est là. Dans ma vie. Ouais. T'as quand même organisé ta propre mort, quoi. Enfin, ta propre mise en scène. Alors bienvenue à tous. Bon bah super mort. Parce que je pars en vacances et du coup c'est mon dernier jour. J'ai été la cause de plusieurs choses, dont la mort de, dont une des morts de Kip, dont plein de choses. Bref. Les morts de la belle aussi. Coupable. Un peu Emel. Emel, il m'avait traité de moche, donc il avait le droit. À mort. À mort. Alors, attention, vous êtes prêts? Non. Oui, oui. Ouais. Adios. Ça prend un peu de temps, vous inquiétez pas. Mais ah oui. Con. Ah oui. Ah oui, un petit peu. Ah oui, en effet. L'abus. Ah, ça laissera des traces. Bon, à tout moment, il merdait, on y passait tous. Hein. Est-ce que vous auriez un panneau Moi, j'ai sauté dans le lac à côté, en fait. C'était presque un suicide. Il y a pas un panneau qui a... Il a pas d'ordre. Non, elle est tout pété. Ah, génial. C'était presque un suicide collectif. Hein. On a failli mourir. Ouais, par contre, ça Jean, à quelques blocs près, on y passait. À 3 blocs près de la scène. Tout était calculé. L'héritage a explosé. Ah mais t'aurais dû mettre de la TNT jusqu'en dessous des tribunes en fait. Enfin, ça vraiment, c'est oh là là, un meurtre. Non, on aurait dû, ceux qui avaient pas de totem, ils y passaient. C'était une game of thrones. Génial. Bon bah voilà. Ouais. Ah non. Non. Maintenant je vais vous hanter. T'as deux gens. T-A-S, D-E. Juin, comme moi. G-I-N ou G-I-N. T'as deux. T'as deux. T'as deux Jean. T'as deux.
C'est quoi la date du jour? C'est un tas de jeans. Mais c'est l'enfer, ces cornes, hein. Oui. Ça va être interdit sur les serveurs, je pense. Ou alors, prochain World Tour League. Pas qui change la musique, quoi. Pour j'arrive pas. Moi, j'ai muté les blocs. J'arrive pas à lire. Si J tas de jeans. C'est trop noir. Allez. Ah, quoi? Pardon. Oh là. En hommage. Attendez, en hommage. Qu'est-ce que tu veux, Foster? Merde. En hommage, mais une petite tête. Ah oui. C'est une tête de quoi, ce truc? C'est le Warden. Waouh. Attends, je vais en toucher une. Tu veux une tête? J'en ai d'autres, moi, si tu veux. Il aura fallu que je sois mort pour envoyer. Bien. Moi, je veux bien aussi. Ouais. Tiens. Il y en a plusieurs, servez-vous. Hein. Mais j'ai cassé le panneau. Je crois que j'ai cassé le panneau. Je crois que j'ai pas cassé le bon truc. Je cassé le panneau. Allez. Il y a pas de panneau. Oula. Ça va mal finir cette histoire. Oula, faites pas des dégâts aux mauvaises personnes là. Voilà, si j'y t'as deux joueurs. C'est comme ça qu'on fait les gars. Putain, qui c'est qui m'a pas dans le dos? Ah, y'en a un qui a pas dormi. Je cherche du colorant. Je pense que je vais m'installer ici là. Il a fait un truc super grand quand même. Et il faut pas aller faire la cérémonie de la flamme là? Non mais ils sont infatigables hein. Ah oui, il faut qu'on aille t'enterrer. Ah ouais, il faut éteindre le feu. Allô. Ah oui. Éteindre ta flamme. Ah. Wesh. Allô. Allô. Comment t'as fini, Vaster? T'es content? Il y en a d'autres qui partent en vacances ou pas? Viens là, Max. On les aide à partir en vacances. Il y a Zonzag. Non, il y a Tutu aussi. Attends, tiens de la flotte. Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Allez, viens. Oh, il se barre en Elytra, mais quelle tapette. Où est-ce qu'il est, Tad? Tutu. C'était qui en bas? Aïe. Oh là, c'est pas moi, oui. Mais il tire à l'arc, mais tiens, mais j'ai jamais vu un nul. Tu veux vraiment qu'on fight? Je vais te latter la gueule. Non, t'es mieux. Mais c'est qui les gens qui râlent, là? Les parisiens. Allez, va-t'en. C'est quoi cet enterrement, là? C'est le chaos. Mais en même temps, t'as failli nous tuer, hein, excuse-moi, mais... j'ai déjà vu mieux, hein, comme enterrement. Oh, le mec, il va mourir, qui essaie de tuer les gens qui sont venus. Oh, bah, il y a une telle question. Tal, il est là, il reste... Tajin, nous sommes ici. Je suis là. Bon, nous sommes réunis aujourd'hui. Aussi connu sous le nom de le paradis. Ah, voilà. Avec ma tête. Oui. Hey, Pasteur, éteignons toutes les flammes. Non, je suis un fantôme, je n'existe pas. Oh, bordel. C'est confisqué. Bon, ben on remplace la cloche par des sons de cornes, c'est parti. Tu préfères quoi, la peste ou le choléra? Mais encore des piafs! Mais! Au! Ah. T'as fini, Vaster? Putain de merde! J'ai une tête de Tajin. J'ai une tête de Tajin. Mais Fast, arrête! Arrête! Faster, il va appeler. Qui c'est qui a mis un X minuscule à Matox? C'est quelqu'un qui t'aime pas! Alors, d'abord, si t'es pas content, tu prends ton panneau et tu te le réécris. Hein.
Ouais, mais faut de l'encre grise, j'ai pas moi. Et déjà, pourquoi Tungsten, il y a une majuscule ici alors que dans ton pseudo, il n'y a pas de majuscule? Parce que je sais pas écrire. Écoute, j'ai écrit 31 pseudos. Tu crois que j'allais pas faire de faute? Mais là, à un moment, faut pas déconner. Hein. En tout cas, chez moi, c'est bien ta pensée au underscore. Ouais, parce qu'en fait, voilà. À partir de la moitié, les gens commençaient à me les écrire dans le chat et je faisais des copier-coller. Je crois que la moi, c'est pareil, y a pas de majuscule. Attends, faut qu'il récupère ça, faut qu'il récupère l'hache. C'est pas l'épée, il peut récupérer l'hache? Je crois pas. Ah, je pense. Ah, peut-être pas, ouais. Mais il a déjà récupéré un truc dans la main, putain, fait chier. Bah ouais. Il faut lui donner autre chose pour qu'il... Allez, on va dormir un peu. Alors, on va y voir un petit peu tout ce qui a été construit là. Ah ouais. Une terra est très jolie. Je connais bien le style de boîte, très réussi. Ah, sympa l'eau comme ça. Très sympa, très chouette la déco comme ça. Bravo. Ah, très beau, très chouette. Le sol. Très intéressant ça. Eh ben, il y a déjà eu du boulot. Bon, bah nous aussi on va s'y mettre, hein. À 23h. Alors j'ai mon petit coffre à moi ici. Qui fait ce boucan là. Des chevaux là-bas là. Un warden dans une cage. Un warden. Hmm.
Ah, y a plus rien en bois, ou alors tout a été transporté peut-être. Je vais prendre un peu d'échafaudage, je vais prendre un peu de bloc d'os. Mais je prendrais bien un peu de bois. Des patates. Est-ce que c'est parce que le bois est parti là-dedans ? Il nous faudrait une usine à mousse. Hein. T'as vu, Charivari, j'en profite pour ranger. Hein. Allez, tu vas en prendre un petit peu. J'aime beaucoup le terrain. C'est que j'ai pas ce qu'il faut. On va couper ces bois là en fait. Puis je vais les replanter. Ah, bonne nuit, pardon, je savais pas que t'étais là. C'est rigolo, je savais pas qu'elle était à côté.
GG. Alors, viser le bloc au-dessus de ce bloc avec la dirt main gauche, pelle main droite, inventaire plein de trucs random, cliquer sur appuyer, deux clics souris. Ok. Et il faut peut-être mettre de la des fioles d'eau, non? Peut-être pas. J'ai peut-être fait une connerie. Coucou boîte, bah je sais pas. Tiens, je te montre un truc vite fait boîte. Regarde, j'ai fait des tout petits tests. Parce que tout à l'heure j'arrivais pas à me connecter, j'ai fait un tout petit test en créa. Je vais construire. Ah, il fonctionnait plus. Ah bah je sais pas, j'ai pas testé. Je vais faire des petites maisons de hobbit un peu dans ce style, tu vois. Là j'ai fait ça en 10 minutes. Donc c'est juste un test, bah, je vais faire un petit truc comme ça à côté de la maison de Tajin au spawn, je pense. Cute. Ouais, c'est tout simple, hein, mais c'est tout simple. Donc je vais essayer de faire ça. J'aurais bien commencé un peu ce soir, mais il s'est passé plein de trucs. En fait, je sais pas comment elle fonctionne. Je sais pas comment elle est censée fonctionner cette machine, en fait. Deux boîtes, je suis en vocal. Donc faut se remplir l'inventaire, ok. Oui. Hey, coucou boîte. Fais pas ça. Coucou. Ça va? Oui, moi. Ça va. Donc, attends, que je comprenne comment ça marche. Mettre ça en main gauche. Faut une pelle en fer, mais j'ai pas de pelle en fer. Dans le coffre, t'en as. Ouais, mais là il y a pas de signal redstone, c'est normal. Hein. Mais je sais pas. Pelle en fer. Mais quel enfer! Là, non, non, non.
fonctionne pas. Elle drop pas de bouteille, tu vois, elle drop plus d'eau. Et il n'y a pas de signal redstone. Alors, la redstone elle est cassée. On est censé avoir quoi? Il manque pas un truc de redstone? Bah non, parce que ça, ça va alimenter. Un bloc. Parce que de là. C'est des bouteilles d'eau qui doivent drop dessus. Tous les bouteilles d'eau en dessous. Mais en fait, tes bouteilles d'eau. Ouais, faudrait que je la. Faudrait que j'en recrée une, quoi. Parce que j'ai pas compris le bah, j'ai compris le fonctionnement, mais j'ai pas compris comment ça fonctionnait. Du coup, je peux pas la réparer. Mais t'avais les bouteilles qu'il y avait en dessous, ça, elles étaient renvoyées. Ah oui, je comprends. En fait, donc les bouteilles d'eau, elles doivent arriver dans le distributeur. Mais elles doivent pas être aspirées, en fait. Pourquoi elles sont aspirées? Elles doivent être aspirées que quand elles sont vides, en fait, non? Et la redstone, elle fonctionne plus. J'ai regardé la VOD de la vidéo de Roi et t'avais un circuit normal qui fonctionnait. Bah, je l'ai jamais utilisé, donc je sais pas. C'est pas ce que j'ai fait, c'est pas ce que j'ai construit, c'est pas possible. Ah, pourquoi y'a de ça là? Un piège à con. Bon bah c'est pas grave. Je voulais faire un peu de mud, mais... Je voulais aussi que j'en refasse une. Je pique un peu de terre. Je vais piquer des fioles. Pourquoi ça peut pas aller bon. Et je vais utiliser... Je comprends pas pourquoi celui-là il est pas éclairé en fait. S'il est censé s'éclairer normalement. Je sais pas. Mais je sais pas non plus. Je vais utiliser la technique que j'ai vue de Tutu. Tu sais pas ce que c'est? La technique de Tutu. C'est une technique ultra chiante. Ouais, tu mets de la terre et tu mets de l'eau. Quelle horreur. Voilà. Oh, quelle horreur. Quel enfer. Quelle patience. Bon, sinon ça va. Faudrait qu'on l'arrête. Mis à part c'est... Oui, mis à part c'est... Oui. Mis à part ça. Bah, mis à part ça, ça va. Je suis fatigué là. Hors de repas. C'est chaud. Un petit peu chaud là. J'adhère encore. On avance un petit peu là, sur la salle des coffres aussi. Ah ouais, non, mais je suis allé voir, elle est géniale. Hein. Enfin, j'avais vu en stream, mais. C'est bouché. Elle est chouette. Je voulais réparer cette machine, ça m'embête parce que j'aimerais bien aussi faire de la mad. Et en fait, ça fonctionne pas. Hop. Je vais me mettre ailleurs moi pour faire la mode. Dans l'eau c'est chiant. Oh ouais. Mais là? Oui, je voulais pas tout péter, mais j'ai tout pété. Attends. Comment ça fonctionne du coup? Non, ça fonctionne mal, mais c'est juste que je vais. En fait, plutôt que d'être dans le. Dans la mer. Et c'est pénible là. C'est pas des plus pratiques, mais ça fonctionne. C'est mieux que d'être dans la mer. Hein. Je vais déconnecter mon cerveau et essayer de la réparer cette machine. Ou du moins en refaire une. Si jamais j'arrive pas à la réparer. Ok. Je vais faire au mieux. Bisous. Je débranche mon cerveau. Ok. Bisous. Mon débranchage. Rebranche-toi demain. On va faire juste un stack. On peut pas faire un truc automatique avec des pistons qui pèteraient tout. Je suis sûr qu'on peut. Ce serait compliqué, mais ça ferait des usines full auto. Avec piston et TNT, j'imagine, on peut pouvoir faire des trucs. C'est mieux que dans l'eau, hein. Mais comme on a l'eau juste à disposition,
ici ça marche bien ou pas. Regarde, on peut mettre de la meute partout. Comme ça j'ai un petit peu de briques, un petit peu de granit, j'ai un petit peu de bois, qu'est-ce qui me manque? Il me manque la mosse là. Ça, je sais pas. Un végétal, hop, j'en pique un peu. Coucou. Coucou, ça va mec? Je fais un tour, ça fait 3-4 jours je m'étais pas call là. Ah et tout a changé. J'étais pas chez moi. Et là ouais ouais, mais j'avais vu ça, le mémorial. Mais j'avais pas vu le drakkar énorme. 200 âmes évidemment. Que... Oui, non, il y a beaucoup de monde. T'as vu le château que Roi a commencé? Non, où ça? Alors montre-moi. Par ici. Et puis Boîte à Meux a fait un alteraforming en dessous qui est juste superbe. Et le... La salle des coffres aussi. Ça commence à être vraiment joli. Moi j'ai rien construit. Moi non plus. Hein. Moi, point fort, on est là. Hein. Oh, mais, oh la petite maison elle est trop choupie. C'était une usine à mud mais elle fonctionne plus. Salut. Ça va? Bonjour monsieur. Ah mais t'es bonjour, pas déconnecté déco alors boîte en fait. Bah non, j'ai déconnecté mon cerveau avant et puis je vais aller. Oui. Donc voilà, ça c'est le château de Roi. Je suppose qu'Alps a bossé avec lui aussi. Non. Ça avance. Hein. Alps, c'est pas connu. Oh, le terraforming est vraiment stylé, la plage et tout, ça fait. Ça rend vraiment bien. Mm-mm. Merci. Attendez, je vais aller voir, je m'approche. Bah, tu peux aller en dessous, il y a la salle des coffres. Ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre là. Je vois le... Allez, du coup, moi je vais aller là-bas, sinon je vais jamais y arriver. Ah mais c'est des patates pas cuites. Oh. Fais eu. Est-ce que c'est des patates cuites? Bon bah je prends. Ah morue cru. Ah je peux en manger une tiens. Pour avoir le succès. Qu'est-ce que j'ai pas mangé? Du coup j'ai pas dû manger des trucs crus. Ah. Pas dû manger du pain aussi. Voilà, je mange un peu de tout. Est-ce qu'on peut manger de la verrue? Non. On ne peut pas. Ça n'a rien à foutre dans la bouffe. Bon, allez. Je sais pas ce que c'est ça. Ah, c'est très chouette. Mais je sais pas si ça va. Enfin, je vois pas la forme finale en fait, c'est ce que je veux dire. Voilà, ça a l'air toujours très dangereux par ici.
C'est moi qui vais m'installer par là. Ah merde, ah, y a la corruption ici. Ah bah non alors. Yes. Yes, 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 mais pas terrible. C'est chier. Merci. Sinon, je construis par là-bas, de l'autre côté. Par ici. Peut-être faire par là, en fait. Qu'est-ce qu'il y a par là? Est-ce qu'il y a des trucs par là? C'est quoi, ça? Tu construis par là, je pense. Ouais, je sais pas trop. Pas de soucis, boîte, pas de nuit. Je me mets par là. C'est pas mal par là. Hein. De toute façon, on s'en fiche un peu. Il y a les petits champs, tout ça. C'est pas stylé de faire des petits champs. On est dans l'axe du château. J'imagine qu'ils vont faire un pont. J'imagine qu'ici, il va y avoir un pont. Peut-être par là en fait. Pas pourquoi il y a des torches. Mais il n'y a pas de panneau, donc je vais me mettre là. Petite maison ici, là, comme ça, là. Puis je développerai des petits champs, des petits trucs. Toute petite zone. Donc, comme ça, je reste proche de bien, en fait. Donc, installons-nous.
Hobbit Town. Je sais pas comment l'appeler, mais on va faire ça comme ça. Hop, on va mettre quelques torches. Quand même. Du coup, on l'avait dit. Ici. Non. On va faire l'entrée un peu plus par là. Voilà, un truc comme ça. Hop, je vais aller chercher mon petit screenshot. Alors j'ai pas de briques pour l'instant, mais on peut en faire des briques il me semble avec la mud, non? Comment on fait ça, vous savez? Comment on fait des briques à partir de la mud? Faut la faire cuire ou quelque chose comme ça? Coucou chère Marie. De la mud sur une dripstone avec le pic en dessous. Ah, c'est long alors du coup j'imagine.
Au revoir. Moi, je vais peut-être voir pour la symétrie. Je vais peut-être pas faire une symétrie parfaite. En fait, je m'étais décalé d'un bloc, j'avais fait 4. C'est pas plus mal. Donc recommençons. On va pas gaspiller, on va... Ah. Du coup, je pense que là, l'autre fenêtre, on va pas la faire à la même, au même niveau. Je pense que l'autre fenêtre, genre, on va la faire là. Ah, mais je... Ah, c'est con, je peux pas tricher aussi bien que ce que j'aurais voulu, en fait. Voilà, ça c'est pas mal.
Ok. Est-ce que j'ai pris un petit peu de bois rouge? Non, je l'ai pas pris. Faudrait que j'en prenne. GG les relous. C'est pas mal. On va chercher du bois rouge. Juste pour faire comme ce que j'avais fait, on va chercher des petites fleurs bleues, un peu de poudre d'os, je crois que j'en avais. Puis on s'arrêtera là pour l'instant, même si c'est qu'un un début. On essaie d'intégrer la culture. On passe. Et puis du coup, faudra qu'on aille chercher de quoi faire des briques. Parce que les briques s'intègrent très bien.
Merci pour le follow, Master Mix. Donc ça, je rappelle, c'est provisoire. On va mettre ça pour que ça fasse joli, on va voir ce que ça donne. Bon, il me manque ici des petites choses. C'est pas perdu. Mm-hmm.
Oui. Et là, on va enlever. Ah bah non, non, il fallait pas enlever, mais du coup ça fait un peu lourd. Ok, et bah ça, donne, ça rend bien. On sauve ça, là, les petites torches, hein, on est d'accord. Le paysage autour, on améliorera, mais pour l'instant, écoutez, c'est un début. Ah, j'ai pas fait là. Ah si, j'ai fait là. Je fatigue. Allez, on va s'arrêter là, les amis. Je suis content. On a fini notre expédition. Et regardez, ça commence à être sympa. Même si c'est que le début. On a fini notre expédition. On a. Donc là, j'ai pas fait de petites fenêtres supplémentaires sur le côté. J'ai pas fait de petite extension de cheminée, tout ça. Mais c'est notre petite maison de hobbit. Donc, je disais, on a terminé notre expédition. On a participé à la fin de Tal'jin. On a découvert en plus des nouveaux biomes. Je remets pas les choses en ordre, c'est pas grave. On a enfin commencé à construire un petit peu notre petite maison de hobbit, toute simple. On améliorera le sol, le pattern, on fera un intérieur, je pense, un petit intérieur tout simple. Et puis on fera d'autres maisons de hobbit, on va développer un petit peu la zone. Voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi. Demain soir, on se retrouve pour du Holicube, si je suis pas trop fatigué. Et oui, ça fait longtemps qu'on a fait des Holicube, mais je veux absolument continuer les projets. Donc demain, sur Holicube, on commence l'aérodrome de la cité volante. Voilà. Et bien joué cette petite maison, merci beaucoup LG. Du coup, rendez-vous demain et puis Holicube ça continuera vendredi si je dis pas de bêtises. Twitch, tu es où Twitch? Que je regarde qui est ton stream. Déjà 23h43. Il est tard. Il est tard. Mais bon, je voulais vraiment construire ce soir, je suis content d'avoir fait. La tutu. Allez. On raid tutu. Dis-moi Olamio où tu arrives pour le raid. Mon raid Tungsten 74 tiré du bar. Voilà, normalement c'est bon. Parfait. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Rendez-vous demain soir pour du Holicube. Bon jeudi à tous. À très bientôt. Merci beaucoup. Ciao ciao.